rock solid. Salut tout le monde, ici Yakipon pour une nouvelle rotation gratuite des champions de League of Legends. Vous arrangez ça et ça vous fait une phrase correcte. Harry, renard à 9 queues. Harry se joue en tant que mage mid. Elle est vraiment balèze, vu qu'elle peut faire un cœur et contrôler donc les gens pendant une petite seconde et quelques. Ce qui lui permet de foutre tout son burst dans la gueule des gens. C'est très pratique, tu vas me dire. Harry peut aussi s'enfuir grâce à son ulti et 3 fois, donc faites attention, elle a beaucoup de mobilité. Amumu, momie mélancolique. Amumu se joue en tant que jungler ou en tant que top AP ou en tant que mid AP. Ouais, tout ça parce que Amumu en fait il tank à mort, hein, de base, c'est faut le dire, et vous lui mettez juste un item AP et il arrache les fesses de tout le monde. Personne ne se doute qu'une force si herculéenne se cache dans un tout petit corps bandelé. Braum, cœur de Freljord. Braum se joue en tant que support et il est tanky lui aussi. Ce qui est bien avec Braum, c'est qu'il peut stun les gens et il applique des marques avec des auto-attaques ou son premier sort. C'est vachement cool parce que comme ça au moins ben, vous pouvez stun les carries même à distance vu que votre petit AD carry a juste lui aussi à auto-attaquer après que vous ayez posé la marque pour stun l'ennemi. C'est super pratique Braum. Corki, artilleur téméraire. Corki se joue en tant qu'AD carry. J'aime pas trop Corki parce que moi je trouve que ça fait pas de dégâts. Mais en fait, ça en fait, hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas comme du Graves, genre c'est direct ou des trucs comme ça. Faut attendre un petit peu quoi. Fiddlestick, faucheur. Fiddlestick se joue en tant que jungler. Et ce qui est bien avec Fiddlestick, c'est qu'il peut se soloter le dragon. Au niveau 5, c'est parfait. Comme ça, au moins vous augmentez 3 fois votre drain. Vous avez un bleu et vous allez soloter le dragon. Généralement, en début de jeu, personne ne vous voit, donc c'est un bon avantage, tranquillou. Graves, hors la loi. Graves est un bon AD carry, comme je viens de le dire au-dessus, grâce à Corki. Graves fait des dégâts assez directs, c'est-à-dire que si vous fout le A dans la gueule ou son ulti, bah, vous verrez votre vie tomber assez vite. Ouais, Graves, en fait, ce qui me pose un problème, c'est qu'il a pas beaucoup de portée. Bon, tu vas me dire, il fait mal, donc bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Sauf si on s'appelle Riven. Malphite, éclat du monolithe. Malphite se joue en tant que top ou en tant que jungler. Enfin, jungler un peu moins maintenant, mais en tant que top, c'est vraiment pas mal. Et Malphite, vous voyez, c'est un gros caillou, et les gros cailloux, ça fait penser à des gros tanks. Et Malphite est un gros tank. Malphite, en fait, ben, sa vie va être de poser des cailloux, là, des rondelles de cailloux, et de vous foncer dedans, tel le bus magique, voilà. Et sinon, ben, farmer tranquillement avec, et puis c'est tout, hein. Taric, chevalier aux gemmes. Taric est le meilleur support de la Terre à mes yeux. Non, c'est un mensonge. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une particularité que j'aime beaucoup. Mais non, sinon, Taric se joue en tant que support. Il peut heal, il peut améliorer l'armure de son allié. Et aussi, il peut stun grâce aux gemmes. Donc voilà, Taric est très bon. Hein, sortez-le du placard, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Tryndamere, roi barbare. Tryndamere se joue en tant que jungler ou en tant que top. Et Tryndamere, plus il tape, plus il a de rage, plus il a de rage, plus il fait de critique. Voilà comment ça fonctionne en fait, Tryndamere. Vous dites, oh mon dieu, il fait trop mal et il a pas de stuff, mais c'est pas normal. Ouais, mais plus il vous tape en fait, et plus il fait mal. Donc bon, voilà. C'est une petite logique qu'il faut se mettre dans la tête. Xerath, mage suprême. Xerath se joue en tant que mid AP. Et j'aime beaucoup Xerath parce qu'il a une énorme portée sur son ulti et qu'il assassine énormément les gens. Sinon, Xerath, ben, il a pas forcément d'escape, donc vraiment, faut faire attention. Et son A, vous pouvez le charger pour qu'il tire un peu plus loin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le site Ivasound Studio, c'est le plus important pour vous tenir au jus de toutes les actualités. Allez, gros bisous, ciao.